Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal télévisé. Voici les titres. L'ancienne patinoire de Liège, bien connue des Liégeois, va s'offrir une nouvelle vie. Le feu vert vient d'être donné pour la transformer en école. Nouvelle exposition à la Beauverie qui met à l'honneur les œuvres issues de collections privées de Liégeois. Et enfin, Deleuze, la lutte continue. Nos journalistes sont allés à la rencontre d'un délégué syndical. Le Grand Palais des Fêtes de Coromeuse, mieux connu comme l'ancienne patinoire de Liège, s'apprête à vivre une deuxième jeunesse. Laissé à l'abandon depuis 2011, il s'apprête à vivre une nouvelle affectation qui préservera sa singularité patrimoniale. Un reportage d'Yves Collinet et de Mathilde Varin. Construite à l'occasion de l'exposition internationale de l'eau en 1939, l'ancienne patinoire de Liège a été initialement créée pour inaugurer le canal Albert. Il s'agit de l'œuvre d'un Liégeois que vous connaissez sans le savoir. C'est un édifice qui est réalisé pour la ville de Liège par son architecte attitré qui est Jean Moutchen. C'est quelqu'un qui est très tôt attiré vers la modernité. Il marque le paysage liégeois, le paysage urbain, à travers notamment le lycée de Léonie d'Oie. Un bâtiment qui, au fil des années, a pu montrer sa résistance sans faille. Le résultat d'une double philosophie incarnée par Jean Moutchen. Pour caricaturer, enfin résumer le travail de Jean Moutchen, il y a deux choses essentielles qu'on peut souligner. C'est d'abord cette vision extrêmement fonctionnelle de l'architecture. Dans le cas de la patinoire, c'est un bâtiment, quoi, vous le voyez, on a deux corps de bâtiment, on a la halle principale qui n'est pas vitrée, et puis l'avant-corps qui est lui la partie d'accueil qui évidemment doit être vitrée pour accueillir les visiteurs. Cette autre vision qu'il a dans son travail, c'est toujours associer des artistes. Il y a cette volonté de combiner conception architecturale avec intégration d'œuvres d'art. Et au niveau de la patinoire de Liège, je pense qu'il y a deux ou trois artistes, en tout cas j'en ai deux en tête, c'est Wansart et Adeline Salle. Un bâtiment beaucoup décrié sur son esthétique. Sébastien Charlier justifie son apparence par la modernité dans laquelle il s'est inscrit à l'époque où il a été érigé. L'entre-deux-guerres, c'est une période qui est assez compliquée parce que tu as des trucs qui sont modernes, qui revendique une modernité. Alors celui-ci, il revendique sa modernité, même s'il y a des petits retours au classicisme. De manière générale, il s'inscrit quand même dans la modernité. Mais au même moment, il y a des architectes qui font des maisons ou des bâtiments qui sont vraiment typés en tradition. Après avoir été une patinoire, le bâtiment rejoint de nombreux autres établissements imaginés par Jean Moutchen, comme le lycée Léonie de Waha, et devient une école. Un projet appelé Néolégia qui devrait encore prendre quelques années avant de voir le jour. Restons en architecture. Vous connaissez tous le bâtiment de la place du 20 août. Derrière sa façade défraîchie, il abrite la faculté de philosophie et lettres. Bonne nouvelle, en classant au patrimoine de nouvelles parties de l'édifice, la ministre Valérie Debut permet d'obtenir de nouveaux subsides qui serviront à rajeunir le siège historique de l'Université de Liège. Sortie culturelle. Sans collectionneurs, il n'y a pas d'art. En achetant les créations, ce sont eux qui font vivre les artistes et leur permettent de se développer. La nouvelle exposition Private Views à la Beauverie les met à l'honneur en partageant avec le grand public les collections privées de plusieurs Liégeois. Nora Belgomery et Lara Wilkin les ont découvertes en avant-première, mais dès demain, elles seront accessibles à tous. Depuis peu, le musée de la Beauverie abrite les œuvres de divers collectionneurs de la cité ardente. L'exposition ouvrira ses portes au grand public demain, 28 avril. L'occasion d'y découvrir la nouvelle exposition 100% liégeoise, Private Views. D'une part, je voulais quand même restituer l'ambiance des collections, à quoi est-ce qu'elles ressemblent, quel est leur goût, et d'autre part, avoir donné une bonne idée de ce qui est aujourd'hui collectionné par les collectionneurs liégeois. Et en gardant aussi, si c'était possible, les surprises, les choses un peu différentes qu'ils ont aussi dans leur collection. Exceptionnellement, 21 collectionneurs exposent leurs trésors, une sorte de gigantesque cabinet des découvertes patrimoniales. C'est un patrimoine très important, comme on le voit dans l'exposition, important en quantité, en qualité aussi, et qui n'est jamais montré. Ici, j'avais l'opportunité d'aller plonger dans ces trésors-là, et c'est une occasion qui ne se manque pas. Qui dit collection privée dit collectionneur méconnu. Cela offre l'opportunité de partir à la rencontre de nouvelles pièces et de nouveaux artistes. I decided to see, you know, like a collection more in a wide scale view, but like in Liège, because I don't really know the collectioners. I just kind of heard the names in passing. L'objectif,
laisser la place aux jeunes artistes d'être aux côtés de collectionneurs aguerris. Ils étaient bien, ils étaient représentatifs de choses qui bougent aujourd'hui et où leurs œuvres étaient percutantes, étaient fortes, pouvaient tenir la distance, pouvaient tenir la comparaison avec des œuvres d'artistes ultra connus et de très haut niveau. Rendez-vous donc dès demain à la Beauvrie afin de lever le voile sur ces collections privées. Les manifestations chez Deleuze ne se sont pas essoufflées depuis un mois et demi. Du côté des syndicats, on poursuit le combat. Eric Bruegelmans, délégué syndical chez Deleuze, est au micro de Franny Andrien et Louisa de Marquis. Chez Deleuze, la grève ne faiblit pas. Au-delà des craintes de perte d'emploi et de précarisation de travail, le problème est plus profond. Ce qui inquiète Eric Bruegelmans, délégué syndical CSC chez Deleuze, qui pointe du doigt une modification du système de fonctionnement de l'enseigne. Ce qu'on veut, c'est maintenir un système de commerce à la belge et non à la hollandaise. Vous avez vu qu'aux Pays-Bas, des enfants de 13 ans, 14 ans travaillent dans des supermarchés. Bien que ce soit légal, ça met en concurrence directement des travailleurs entre eux pour un même emploi. C'est ce qu'on appelle le dumping social. La crainte, c'est qu'une multinationale profite d'un système qui est prévu pour des petits indépendants pour maximiser un capitalisme financier vers des actionnaires. Pire, les salaires sont tellement bas dans le système affilié qu'il y a des bonus à l'emploi. Qui paye ces bonus à l'emploi? La sécurité sociale, la collectivité. Et pour nous, il n'est pas acceptable qu'une collectivité paye pour donner de l'argent aux actionnaires. En attendant, la lutte entre les syndicats et la direction de Deleuze continue. À Zelic ce matin, le barrage installé par les différents syndicats a dû être levé suite à l'intervention d'un huissier et de la police. Les résultats des élections étudiantes de l'Université de Liège viennent de tomber. Les sièges de la FEDE seront en grande majorité occupés par Essentiel 2.0. Opposé à 4 autres listes, il remporte plus de 2/3 des voix. Et toujours à l'université, hier soir s'est déroulée une compétition un peu particulière. Pour ce dernier match interuniversitaire, l'équipe d'improvisation Les Castors Ardents de l'Université de Liège ont reçu à domicile les Toucans Canons de Bruxelles. Louisa Demarquis et Clément Gillot faisaient partie du public. Il se peut que je me sois déjà marié à la chapelle. C'est un genre, hein. Dans la salle de la courte échelle à Liège, ce match d'improvisation bat son plein. Arbitre, public et jouteur, ici, tout le monde a son rôle à jouer. Mais comment ça se passe? Alors un match d'impro, c'est faire du théâtre sans texte, en reprenant les codes du sport pour s'en manquer un peu. Donc en fait, c'est deux équipes qui se rencontrent, qui font des impros ensemble, et puis un public qui vote pour les départager. Alors l'arbitre, il est surtout là pour annoncer les consignes, pour annoncer à quel jeu on joue, pour siffler des fautes s'il y en a, parce que ben, le but c'est d'offrir un bon spectacle, et donc si on peut orienter les joueurs, c'est toujours mieux. La principale qualité d'un improvisateur, c'est d'oser. C'est vraiment juste ça. Une fois qu'on a franchi ce step-là, le reste, c'est juste du jeu et on s'amuse. Improvisation mixte ayant pour titre photo de famille. Être jouteur, c'est s'adapter à toutes les situations, ce qui demande un certain entraînement, comme l'explique Antoine, membre des Castors Ardents. Les entraînements sont plutôt basés sur un module, donc on va plutôt être sur des modules voilà, plus construction d'histoire, plus personnage. Et à partir de là, on essaye de faire des exercices pour améliorer ces différents petits points. Bien souvent, on se contente juste d'exercices que vous ne voyez pas ici. Cet entraînement, c'est aussi apprendre à ne pas rire, au risque de perdre des points. Comme le décrochage est puni par l'arbitre et que ça peut nous faire perdre des points, on essaie quand même un maximum de ne pas décrocher. Mais il y a des fois où ça peut partir en fou rire sur scène. Il y a des fois où c'est inévitable. Victoire pour les Toucans Canons. Pour la revanche, les Castors devront attendre la prochaine saison. En attendant, des auditions seront ouvertes pour essayer de rejoindre l'équipe dès le mois de septembre. Et pour conclure ce journal, le circuit national Spa-Francorchamps a inauguré ce week-end ses toutes nouvelles infrastructures. La fin de 2 années de travaux, nous sommes allés à la rencontre des spectateurs prendre la température. Un reportage d'Adrien Huberti, Guillaume Delbeuc et Cassandra Crae. Des tribunes fraîchement sorties de terre, que vous voyez ici depuis la piste, offrent de nouvelles perspectives aux spectateurs du plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps. Lancé en 2021, les travaux de modernisation du toboggan des Ardennes s'achèvent ce printemps, pour le plus grand bonheur des passionnés de belles mécaniques. Le tracé se voit également doté d'une variante moto, en vue d'un retour du championnat du monde, le MotoGP, à moyen terme.
Une capacité d'accueil doublée par rapport à avant, de nouveaux bacs à gravier pour plus de sécurité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitués semblent ravis. Ça génère quand même énormément de monde, et de nouvelles infrastructures comme ici. C'est vraiment bien, ça redynamise, je vais dire, l'attrait pour le circuit. C'est bien, tout est bien structuré, on peut se promener partout. Vraiment à l'abri, à l'aise, en sécurité, donc je trouve vraiment ça, je trouve que c'est une belle image à donner. Que la Belgique donne, en tout cas. Le but de ces travaux, entre autres, un meilleur accueil des spectateurs. C'est extrêmement important pour le circuit d'avoir des infrastructures qui sont au niveau de l'excellence du circuit et de la réputation du circuit. Elles apportent beaucoup plus de confort pour les spectateurs et ça fait réellement partie de la nouvelle stratégie du circuit. Si aujourd'hui les Porsche roulent sur la piste, demain, on pourra peut-être de nouveau assister à un Grand Prix moto. Le Speaker's Corner, 9e virage du circuit, vient en effet d'être doublé pour accueillir les motards. Alors l'an dernier donc a marqué le retour de l'endurance moto, du championnat mondial d'endurance moto au circuit de Spa-Francorchamps. On a élargi des dégagements, on a mis des bacs à gravier, on a effectivement doublé le Speaker Corner pour les motos, donc il y a maintenant une piste moto et une piste auto au Speaker Corner. Les négociations pour le moment sont en cours avec le MotoGP pour son retour ou pas. Un vent de fraîcheur pour ce lieu emblématique qui compte bien remplir les calendriers des principaux championnats du monde sur circuit d'ici peu. C'est à présent la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Pour encore plus d'infos, n'oubliez pas votre rendez-vous Arnaud Décortique, votre actu journalière condensée, ainsi que la Tascam Academy, votre parodie de la Star Academy version journaliste. Excellente soirée et à demain à 18h.